안녕하십니까? Bonjour à tous. 우리가 온라인으로 집회를 하지만 Nous avons le séminaire en ligne. 많은 분들이 함께해 주셔서 너무나 감사합니다. Mais je vous remercie d'avoir participé au séminaire. 모니터에 많은 사람들 얼굴이 나와 있습니다. Sur l'écran, je vois beaucoup de personnes. 여기 나오지 못한 분들도 지금 많이 함께하실 줄 믿습니다. Et aussi ceux qui ne sont pas sur l'écran, il y a encore beaucoup de gens qui sont présents. 오늘 아침에는 구약 열왕기하 7장의 말씀을 읽겠습니다. Et ce matin, nous allons lire Ancien Testament, 2 Rois chapitre 7. Nous allons lire 2 Rois chapitre 7, du verset 1 jusqu'au verset 10. Je vais lire. Élisa 가로되 여호와의 말씀을 들을지어다 여호와께서 가라사대 Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi par l'Éternel. 내일 이맘때 사마리아 성문에서 고운 가루 한 세에 한 세겔 하고 보리 두 세에 한 세겔 하리라 하셨느니라. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. 그때 한 장관 곧 왕이 그 손에 의지하는 자가 하나님의 사람에게 대답하여 가로되 여호와께서 하늘에 창을 내신들 어찌 이런 일이 있으리요? L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle » Et il dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte de quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ?»« Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. » Allons-nous jeter dans le camp des Syriens, si nous laissent vivre, nous vivrons, et si nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit des chars et un bruit des chevaux et le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre. Voici, le roi d'Israël a prié à sa solde contre nous, les rois des Éthiens et le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrés dans une tente, mangés et burent. Et en apportèrent de l'argent et de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher, ils revint pénétrer dans une autre tente et en apporter des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ces rapports. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens. Et voici, il n'y avait personne, on n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Nous avons lu jusqu'au verset 10. 열왕기하 7장은 하나님의 마음과 우리 마음의 차이를 이야기해 주고 있습니다. Donc 2 Rois chapitre 7, il s'agit de la différence entre le cœur de Dieu et notre cœur. 우리는 대부분 하나님 믿는 기독 신자들은 성경을 읽습니다. La plupart de nous qui sommes chrétiens, nous lisons la Bible. 성경이 이야기하는 모두 하나님의 말씀인데 그중에 가장 강하게 하는 이야기가 뭐냐면 Alors toutes les paroles de la Bible, c'est la parole de Dieu et la parole qui est la plus forte dans la Bible. 하나님의 생각과 우리 생각의 차이를 정확하게 얘기하고 있는 Il nous montre la grande différence entre le cœur de Dieu et notre cœur.
Parce que Dieu, il est plus sage que nous, il a plus de méthodes que nous. Alors, lorsque nous acceptons la parole en tant que telle, des fois, il y a des choses que nous comprenons, mais il y a aussi des choses qu'on ne comprend pas. Cette fois-ci, à chaque séance, la chorale Grâce-Jas, elle chante pour nous. Grâce-Jas 합창단은 2009년에 제주 국제 합창에서 최고상을 받았어요. En 2009, dans le concours international des Jeju, la chorale Grâce-Jas a remporté le grand prix. 2011년에 부산 국제 합창제에서 또 최고상을 받았어요. Et d'ailleurs en 2011, pendant le concours international de Busan, la chorale a remporté le grand prix. 2014년에 저 이태리 메달 가르다에서 최고상을 받았고. En 2014, pendant le concours international des Medaglia en Italie, ils ont remporté le grand prix. 카톤의 스위스 합창제에서 혼성분의 최고상을 받았어요. Et en plus, pendant le concours international de Montreux en Suisse, la chorale a remporté le grand prix. 2015년 독일 마르코 도벌도르프에서 최고상을 받았어요. Et aussi en 2015, la chorale a remporté le grand prix pendant le concours international de Mark Obadorov en Allemagne. 합창에서 국제 합창 대상 받는 별로 이렇게 찾기 힘든 일입니다. Ben en fait, on peut être meilleur en solo, mais c'est vraiment difficile d'être le meilleur en tant que le cœur. Il y a aussi la raison pour laquelle la chorale Grâce-Jas est devenue la meilleure chorale. Une fois, nous avons fait la performance dans la maison d'opéra en Australie. Et à l'époque, on n'avait pas le chef d'orchestre. Voilà pourquoi nous avons demandé à l'école conservatoire de musique à Saint-Pétersbourg, en Russie, que nous avons fondé une chorale en Corée. 러시아에 있는 상페르 국립 음악원하고 저희들하고 굉장히 가깝게 됐어요. Donc du coup, on était vraiment proche avec le conservatoire international de Saint-Pétersbourg de Russie. Donc du coup, on a demandé au conservatoire de nous envoyer le chef d'orchestre. 그때 이제 보리스 아발리안이라는 지휘자가 왔는데. Et en ce moment-là, il nous a envoyé le chef d'orchestre qui s'appelait Boris Yabalian. 세계 성악의 최고의 그 이력을 가지고 있어요. Il était l'un des meilleurs chefs d'orchestre du monde. Alors c'est lui qui est venu pour conduire la chorale. Donc du coup il a frappé Do du piano, il a dit Do. Il a dit répétez après moi. Do. Do. Et tous les membres de la chorale ils ont dit Do. Boris Yabalian, 그거 아니다. Mais Boris Yabalian il a dit non, ce n'est pas Do. 그거 도가 아니다. Ce n'est pas Do. Alors que les membres de chorale, ils ont dit Do, ils n'ont pas dit Lé ou Mi. Mais il a dit que ce n'est pas Do. 아닌데, 도 했는데. Mais non, on avait chanté Do. 누가 도 안 한 사람이 있어? Il y a quelqu'un qui n'a pas dit Do parmi 다시, nous? 도. Il a dit à nouveau Do. 합창단, 도. La chorale, ils ont chanté Do. 그건 도가 아니다. Mais il a dit toujours, ce n'est pas Do. 제 딸이 그때 지휘를 하고 있었는데. Et en ce moment-là, ma fille, elle était aussi le chef d'orchestre. 저하고 무슨 이야기를 하다가. Et une fois, j'ai discuté avec elle. 시간이에요. Et elle a dit qu'elle doit y aller. Elle a dit que maintenant, je dois y aller pour être grondée. 보리스 선생하고 우리 합창단하고 그 음악 차원이 너무 다른 거예요. Donc on a dit qu'il y avait une grande différence des musiques entre la chef d'orchestre Boris Yabalian et la chorale. 그때 보리스 선생님이 우리 가르친 게 뭐냐면은. C'est que Monsieur Boris Yabalian nous a enseigné. 이 피아노를 쳤을 때의 기본 음이 442로 주로 조율해가 치는데. En général, lorsque nous frappons Do du piano, il faut que la base doit être 442 cycles. 그래서 이제 보통 피아노 조율을 사기보다 442로 하세요. 440으로 하세요. 그렇게 말. Voilà pourquoi en général accorder du piano, il demande si on doit accorder le piano avec 442 ou 440 cycles. 그러니까 피아노 조율할 때에 정상적으로는 기본 음을 442 사이클 한다. En général, lorsque nous accordons le piano, la base ça doit être 442 cycles.
Alors que la Corée n'était pas du tout au courant de ça. Ils ont justement chanté. Ils ont chanté avec leur cœur. Ils ont chanté avec tout leur cœur. Ils ont chanté justement. Mais M. Yabalian, il a dit. Il a dit que le son des bases, ça doit être 442 cycles. Mais le son que vous prononcez, c'est différent. Pour quelqu'un, il chante avec 441 cycles, quelqu'un 442, 443 cycles. Mais la Corée, il ne savait pas distinguer ça. Depuis ce moment-là, la Corée, il commençait à s'entraîner et à entraîner les oreilles. Alors, il devait en fait entraîner à écouter, comme ça, il devait être habitué à distinguer 442 et 441. Puisque 441, c'est sur 442. Parce que c'est la différence des 1 sur 100, c'est vraiment difficile de distinguer 1 sur 100. Ce n'est pas qu'ils devaient chanter, mais si ils n'ont pas vraiment habitué à ça, si ne rend pas les oreilles plus fines, même si le son n'est pas vraiment juste, ils vont justement aller. Lorsque la Corée a appris à chanter, en général, lorsque les membres entrent dans la Corée, la plupart des gens ils chantent déjà bien. Et lorsqu'ils apprennent à chanter, et la plupart d'eux, ils pensent qu'ils chantent très bien et qu'ils chantent comme ils veulent. Mais en réalité, chacun chante différemment. Mais lorsque nous chantons, on doit utiliser la machine et il faut que les cycles, ça doit être 442 cycles. Et la plupart des membres, ils chantaient très bien. Et les gens qui sont dans la chorale, ils chantent très bien. Ils ont toujours chanté, mais ce n'était pas le son juste. C'est ce que M. Yabalian a dit. Moi, je chante très bien. Et où que j'aille, tout le monde disait que je chantais bien. Oui, c'est bien. Mais lorsque nous chantons en chœur, on doit avoir une même voix. Alors, on doit avoir la même fréquence pour pouvoir chanter avec les mêmes sons. Avec les mêmes notes. Et c'était vraiment difficile d'entraîner ça. Et parce qu'ils ont vraiment formé et entraîné, maintenant, les gens ils peuvent dire la différence. La chorale, ils chantent toujours en chœur. Et les membres de la chorale, ils sont vraiment fins au niveau des oreilles. Pourquoi tu n'as pas respiré à ce point-là? Cette fois-ci, c'est le violoncelle qui s'est trompé. Alors qu'il y a une centaine de musiques et instruments musicaux, on peut distinguer la personne qui s'est trompée. Donc, accorder, harmoniser, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas qu'on doit beaucoup chanter, ce n'est pas qu'on doit bien chanter. Quand on chante en chœur, en fait, il ne faut pas avoir une voix particulière, mais il faut unir la voix. C'est pas facile. Lorsque j'en parle, vous comprenez, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez, n'est-ce pas? Et pendant que la chorale s'entraînait comme ça, quelqu'un disait que j'en ai marre, je ne peux plus. Je ne veux plus être dans la chorale. Il y avait beaucoup de gens qui étaient comme ça. Moi, je chante très bien, mais c'est ça, cette chorale qui s'est trompée. Chacun peut penser qu'il chante bien.
Même si cette personne chante très bien, mais quand il vient dans la chorale, s'il ne chante pas avec la même voix, c'est inutile et ça ne sert à rien, puisqu'à cause de cette personne, ça va détruire le cœur. Est-ce que vous me comprenez? Avant de chanter en chœur, on doit développer les oreilles, on doit rendre nos oreilles plus fines, on doit comprendre et distinguer la fréquence. Et lorsqu'on s'adapte à la fréquence, c'est en ce moment qu'on peut vraiment chanter en chœur et donner la même voix. C'est comme ça qu'on peut vraiment améliorer notre niveau de capacité. Et ce matin aussi, nous avons vu la chorale chanter. Nous avons écouté aussi la chorale. Et quand on joue du violoncelle, on utilise les doigts. Donc, ils ont joué du violoncelle jusqu'à ce que les doigts soient usés. Mais aujourd'hui, la plupart des gens qui mènent la vie spirituelle dans ce monde, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire pour unir leur cœur avec le cœur de Dieu. La plupart des gens, ils lisent la Bible, ils prient, ils font du bien, et ils font des efforts, ils donnent l'offrande, et ils gardent la loi. Et quand ils font du bien dans la vie spirituelle, et ils pensent que ça va. Mais pour arriver au niveau de Dieu, c'est complètement différent. Voilà pourquoi si vous n'apprenez pas la vie spirituelle exactement, même si vous lisez la Bible, même si vous lisez jusqu'à un certain point, ça devient problématique. Moi, je suis reconnaissant parce que en 1962, j'étais vraiment en grande difficulté. Parce que tous les plans que j'avais, c'était ça a échoué. Mais en fait, moi, je voulais sortir de la pauvreté. Moi, je voulais vivre bien. Mais tous les projets que j'avais, ça a échoué. Jusque-là, moi, j'ai pensé que j'étais quelqu'un de bien. Même si je ne suis pas le meilleur. Mais toujours, j'ai pensé que je peux suivre les autres, même si je ne suis pas le premier. Peut-être que je peux occuper la troisième place. Si je pense maintenant, c'était vraiment insensé. Moi, j'ai pensé que j'étais quelqu'un de bien. Mais lorsque nous entrons dans le monde de la vie spirituelle, mais dans la Bible, il y avait beaucoup d'histoires que je ne comprenais pas très bien. Ce n'est pas que je ne le comprends pas. C'est que moi, je n'arrivais pas à le comprendre. Parce que je ne connaissais pas le cœur de Jésus. Avec quelques connaissances que j'avais, j'avais essayé de mener la vie spirituelle. C'est pas que je connais la Bible entièrement. Je connaissais quelques parties seulement. Si je connais que quelques parties de la Bible, je peux me tromper. Alors, c'était vraiment nécessaire de lire la Bible entièrement. La Bible, la version coréenne, c'est composée de 1800 pages. Et ça prend en général 2 minutes pour lire une page. Ce n'est pas que j'ai toujours compté, calculé ce genre de choses. Et pour moi, de lire la Bible entièrement, il me nécessite 60 heures. Donc si je dépense, si j'utilise 60 heures, je peux lire entièrement la Bible, une fois. Des fois, je prends une semaine entièrement pour la Bible. Donc pendant une semaine, je peux lire entièrement la Bible une fois. Je faisais ça plusieurs fois pour lire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Je l'ai lu 10 fois, je l'ai lu 10 fois, 20 fois. Quand j'ai lu une trentaine de fois, donc les parties qui ne correspondaient pas, en fait, j'ai commencé à comprendre toutes les parties. C'est la même Bible. Il n'y a pas de juste, pas même un seul.
Il n'y a pas de juste par les mensels. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de, il doit pas y avoir les justes. Mais dans le livre de Genèse, on dit que Noé était juste. Dans Romains chapitre 1, le juste vivra par la foi. Dans le livre de Jacques, donc la prière s'est fait vendre des justes à grande efficace. Qu'est-ce qui se passe ici? La Bible dit qu'il n'y a pas de justes quand même en seul. Mais pourquoi il y a beaucoup de justes dans la Bible? Il y a beaucoup de justes dans le livre des Psaumes. Bah, qu'est-ce qui se passe là? Une partie a dit qu'il n'y a pas de justes quand même en seul. Dans d'autres parties, il dit qu'il y a beaucoup de justes. Donc ça m'est donné confusion. Mais maintenant, il y a quelques-uns qui disent qu'il n'y a pas de justes pas même en seul. Et quand on dit qu'il est juste, bah, il dit que bah, c'est vraiment ridicule. Il n'y a pas de juste pas même en seul. C'est ce qu'ils disent. Donc dans ce monde, il y a beaucoup de dénominations. Dans le cas de Corée, dans l'église presbytérienne, même seulement dans la dénomination presbytérienne, il y a à peu près 200 dénominations. Parce que chacun pense différemment. Alors si nous entrons profondément dans la Bible, donc il y a beaucoup de choses que la Bible dit différemment. Alors j'ai lu toujours Genèse, Exode et Nombre, Lévitique. Pour moi, pour lire la Bible, j'ai changé complètement ma manière de vivre. Alors j'ai calculé toutes les heures que j'utilisais. Je n'ai jamais mangé plus de 2 minutes pour manger. Jusqu'à ce que je me suis marié. Et quand j'ai marché dans la rue, je n'ai pas marché justement dans la rue. Et je n'étais pas justement, j'étais pas une fois assis sur la chaise sans rien faire. J'ai toujours lu la Bible. Quand je lis la Bible 20 fois, 30 fois, donc quand j'ai lu la Bible, il y avait une connexion. Dans Romains chapitre 3, verset 10, il n'y a pas de juste, pas même en seul. Cependant, Romains chapitre 1, verset 17, il est écrit qu'il y a, pas, il y a des justes. Dans l'évangile, c'est manifesté la justice de Dieu. Par la foi qu'on arrive dans la foi, il est écrit le juste vivra par la foi. Alors moi, je ne comprenais pas la Bible. C'est le même Romain, mais dans le chapitre 1, il dit qu'il y a des justes, mais dans le chapitre 3, il n'y a pas des justes. C'est très simple. C'est vrai qu'au départ, il n'y avait pas des justes. Mais les péchés qui ne sont pas justes, il y a la méthode par laquelle le pécheur devient juste. C'est Romains chapitre 3, verset 23 et verset 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si on voit verset 23, parce qu'ils ont commis le péché, ils ne sont pas justes, ils sont pécheurs. Mais si on voit verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ici, ce qui est important, si Dieu a déclaré juste, nous sommes justes. Qui que vous soyez, et alors, est-ce qu'il était juste dès le départ? Non, il n'était pas juste dès le début. Il était pécheur. Il avait beaucoup de péchés. Mais parce que Jésus-Christ avait tous ses péchés, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par sa grâce, gratuitement, par la grâce, ça veut dire quoi? La grâce, ça veut dire que c'est quelque chose que nous recevons gratuitement sans payer. Ce n'est pas que nous avons travaillé pour recevoir le salut.
Parce que Jésus-Christ a œuvré, travaillé pour nous, nous sommes devenus justes. Nous sommes pécheurs sales. Ce n'est pas moi qui ai travaillé. Parce que Jésus-Christ a œuvré pour moi, nous allons devenir justes. Moi, je n'étais pas juste. J'étais pécheur. Mais Jésus-Christ m'a justifié. Dans ces cas, moi, je deviens juste. Alors la parole qui dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc c'était l'état, notre état initial. Il n'y a pas de juste, pas même un seul au départ. Les gens, ils sont nés dans le péché, ils ont commis le péché, ils ont fait du mal. Nous sommes pécheurs. Cependant, lorsque Jésus-Christ nous a rendus justes, lorsque Jésus-Christ a lavé tous nos péchés, lorsque Jésus-Christ nous a lavé et purifié, nous devenons justes. Nous ne sommes pas nés justes. Nous sommes nés pécheurs. On a mangé, on a bu, on a commis le péché, on a menti, on a volé, on est tombé, on est plongé dans le péché. Tout le monde était tombé dans le péché. Voilà pourquoi Dieu il a dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché. Pourtant, après avoir rencontré Jésus, lorsque nous recevons le pardon des péchés, ce n'est pas que Jésus-Christ a payé une partie du péché. Ce n'est pas que nous faisons des efforts pour recevoir le salut. Si on dit que nous recevons le salut par la confession du péché, il faut vraiment réfléchir. Si vous confessez le péché, combien de péchés vous pouvez confesser? Des fois, même si vous commettez le péché, vous ne vous en rendez compte pas. Bah, nous faisons quelque chose et recevoir le pardon du péché, c'est impossible. En faisant quelque chose, nous recevons la purification, c'est impossible. Parce que plus nous travaillons, plus nous devenons sales. Il n'y a personne dans ce monde qui est justifié, qui est devenu propre à travers ses efforts. Nous avons besoin de sauveurs. Nous avons commis le péché. Mais Romains chapitre 3, verset 24, dans le verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dans le verset 24, Christo Jésus 안에 있는 구속으로 말미암아. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ça veut dire que Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il a payé toutes les punitions de nos péchés. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, par nos actes. Je jeûne, je prie, je fais les efforts, je fais du bien, je donne les offrandes. Ce n'est pas pour nos œuvres que nous sommes sauvés. On ne peut pas être justifié par nos œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Par sa grâce, nous sommes justifiés. Car cela ne vient pas de vous, mais c'est le cadeau de Dieu, c'est le nom de Dieu. Et dans le verset 9. Car cela ne vient pas de vos œuvres. Cela ne vient pas de vos œuvres. Ce n'est point pas les œuvres. Ça veut dire par nos œuvres. Ça veut dire que le salut ne se fait pas par nos œuvres. Par la prière, par le jeûne, par le bien, par les efforts, par participation au culte. Tout ça, c'est moi qui le fais. Mais par ces œuvres-là, on ne peut pas aller au ciel. Nous sommes pécheurs. Pour laver le péché, par la prière, en recevant le feu, en faisant du bien, en priant, en jeûnant, ça ne marche pas. Par mes propres œuvres, je ne peux pas le faire.
Voilà pourquoi la Bible dit ce n'est point par les œuvres. Quelqu'un dit que moi j'ai prié sur la montagne et j'ai reçu le feu, je suis sauvé. Si nous recevons le feu, ce n'est pas le péché qui est lavé, c'est le corps qui va être brûlé. C'est ça le feu, n'est-ce pas? J'ai reçu le feu, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai vu la vision, j'ai fait ceci. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas nous qui travaillons. Si on peut travailler et que si on peut recevoir le salut par nous-mêmes, pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde? Pourquoi est-ce qu'il est mort sur la croix? Il n'a pas besoin de laver le péché sur la croix si on peut le faire nous-mêmes. Parce qu'on est incapable. C'est pour ça que Dieu nous a envoyé Jésus-Christ dans ce monde. Les gens pensent que si on fait du bien, si on prie, si on fait la repentance, si on fait la confession, si je confesse, ils pensent que le péché peut être pardonné. Si on peut laver le péché nous-mêmes, Jésus-Christ n'avait pas besoin de venir dans ce monde. Il est écrit, ce n'est point par les œuvres. Quoi que nous fassions par nos œuvres, on ne pourrait jamais être pardonné des péchés. Ce n'est pas la parole du pasteur Sopin, mais c'est la parole de la Bible. Si vous lisez la Bible vite fait, pour quelqu'un, ils disent que pendant que je priais, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu le feu. J'ai reçu le feu. Ça veut dire que le feu est venu et que le feu a brûlé tous les péchés. Donc ça va d'abord brûler votre chair. Vous allez être brûlé. Vous allez être brûlé et que vous allez mourir. Ce n'est pas le feu qui lave le péché. C'est Jésus-Christ qui lave le péché. En ce qui concerne le salut, il y a celui qui sauve, il y a aussi celui qui est sauvé. Le salut, c'est fait par le sauveur. Ce n'est pas moi qui travaille et recevoir le pardon des péchés. Parce que quels que soient les efforts que je fasse, je ne peux pas être sauvé par moi-même. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé le Sauveur Jésus-Christ. Les gens disent que moi j'ai lu quelques parties de la Bible et que moi je connais la Bible. Moi j'ai lu plusieurs fois, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible. J'ai lu et j'ai compté et j'ai compté. Jusqu'à quelques points, j'ai compté, mais après, je n'ai compté plus. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu, mais je pense que j'ai lu à peu près 100 fois la Bible. Mais en lisant la Bible, et je me suis rendu compte que la Bible est très différente de ma pensée. La Bible elle-même, elle est différente de ma pensée. La Bible est différente de ma pensée. La Bible dit, l'Éternel, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ma voix n'est pas votre voix. Comme s'il y a une différence entre les ciels et la terre. Ma pensée est plus haute que votre pensée. Et ma voix est plus haute que votre voix. Donc le monde de Dieu qui est plus haut que nous. Comment est-ce que moi, l'être humain, peut comprendre le niveau de Dieu et le cœur de Dieu? Lorsque nous écoutons jusqu'à ici, il y a une chose que je vais vous dire. Toutes nos pensées sont différentes de la pensée de Dieu. Alors, afin d'entrer dans le monde de Dieu, en lisant la Bible, quel genre de pensée s'élève dans notre cœur? On va se rendre compte que dans la Bible, ma pensée et la pensée de Dieu est différente.
Lorsque le chef d'orchestre, M. Boris Yavalen, est venu voir la chorale, avant d'enseigner la chorale, avant d'apprendre la chorale, la première chose qu'il a faite à la chorale, c'est qu'il a fait en écouter. Je pense qu'il a fait Solfeggio, quelque chose comme ça. En écoutant la musique, donc il a fait entraîner la chorale en écoutant, il a fait distinguer quel cycle correspond le son qu'il écoute. Bah, il est trop dur, moi je chante très bien, pourquoi il est trop dur comme ça? Moi j'en veux plus, je vais arrêter. Puisque c'est trop dur, il y a des gens qui pensaient comme ça dans la chorale. Mais quand on s'est entraîné continuellement, on commençait à distinguer la note qu'on prononce. Bah, les oreilles étaient développées. Ah, je viens de commettre l'erreur. Comme ça, ils commençaient à chanter. Alors, c'est ça en fait le point fort de la chorale Grachas. Il peut vraiment bien distinguer le son. Parce qu'il chante avec la même fréquence. Il accorde avec le piano. Si en fait il y a les séances de fréquence, on ne peut pas chanter en chœur. Do de ces pianos. Ces pianos à cette cycle de do, en fait les autres aussi doivent chanter avec le même cycle. Donc on doit prononcer le même do, mais si nos oreilles sont développées, on peut le distinguer la différence et qu'on peut accorder. Avec nos oreilles, on peut voir la différence et que si on change notre ton et notre note, et à la fin, on peut donner la même voix. Même si une dizaine de personnes chantent ensemble, même si lorsque 20 personnes chantent ensemble, lorsque 30 personnes chantent ensemble, même si c'est l'homme ou la femme qui chante, le son qu'ils vont prononcer, ça va être pareil. Lorsqu'ils peuvent le faire, en ce moment-là, ils peuvent donner le même son. Alors, ce que vous devez savoir, croire et suivre Dieu, c'est la même chose que de chanter en chœur. Parce que votre pensée est différente de la pensée de Dieu. Parce que vos oreilles sont différentes des oreilles de Dieu. Il faut vraiment changer et ajuster votre oreille à l'oreille de Dieu. Bah, moi, je chante bien. Il faut abandonner ses pensées et qu'il faut bien écouter le son et qu'il faut accorder votre voix au son. Lorsque vous commencez à mener la vie spirituelle, vous priez dur, vous observez la loi, vous suivez la parole, vous donnez l'offrande et vous aidez les autres, et vous faites toutes choses. Mais si vous le faites continuellement, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment inutile. Vous allez vous rendre compte qu'avec ça, on ne peut pas le faire. Tout ce que nous devons faire, c'est d'accorder notre cœur avec le cœur de Dieu. Afin d'unir notre cœur avec le cœur de Dieu, on doit faire quoi, tout d'abord? On doit abandonner toutes nos pensées, notre préjugé et stéréotype, nos pensées fixes. Si nous gardons notre pensée, ça va créer des problèmes. Si on va Jean chapitre 1, verset 11, il est écrit qu'elle est venue chez les siens et les siens n'ont point reçu. Mais dans le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour accepter, pour pouvoir accepter, en fait, il faut unir votre cœur avec le cœur de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître
vous pouvez pas connaître le cœur de Dieu par quelques versets que vous, connaissez. Les gens y prient, ils font du bien. Mais les gens, ils ont bien travaillé de leur côté. Mais la Bible entière, je suis désolé, les anciens de l'église, les anciens de mon église, ils m'ont acheté une bonne voiture. Je suis âgé, n'est-ce pas? Je suis âgé. Mais dans la voiture a beaucoup d'options. Et seulement le mot d'emploi, c'est très épais. Le livre, c'est très épais. Je n'avais pas vraiment le temps de lire le mot d'emploi quand je conduisais la voiture. Et pendant que je roulais la voiture, il y a quelque chose qui clignote. Lorsque on ferait conduire la voiture, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne connais rien du tout. Je sais conduire le volant et mettre la vitesse. Et je ne sais pas ce qui est le problème. Alors j'appelle le frère en disant, je vois sur l'écran quelque chose qui clignote, je ne sais pas ce que ça veut dire. La seule chose que je connais, c'est démarrer la voiture, c'est freiner et tourner le volant pour changer la direction. C'est tout ce que je connais pour conduire la voiture. Mais le frère qui conduisait la voiture, il a lu le mot d'emploi. Et lorsque quelque chose clignote, il sait très bien de quoi il s'agit. Lorsque je ne connais pas, je l'appelle et je lui demande. Je vois un symbole sur l'écran, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Ah oui, pasteur, ça, ce n'est pas du tout le problème, venez justement à la maison. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Dans la voiture, le mot d'emploi, c'est différent de la Bible, du coup, je ne fais pas des efforts pour connaître ça. Mais rien dans ce monde n'est simple. La vie spirituelle aussi, parce que vous avez prié un peu, parce que vous avez fait des efforts, parce que vous avez observé la loi, vous pensez simplement que ma vie spirituelle est bonne. Mais ce n'est pas vrai, mais la plupart des gens, ils pensent que la vie spirituelle, c'est facile. C'est simple. Mais ce qui est le plus important dans la vie spirituelle, c'est d'unir notre cœur avec le cœur de Dieu. Aujourd'hui, nous avons lu 2 Rois chapitre 7. Donc, la Samarie en Israël, ils étaient attaqués par les Syriens. Donc, ils étaient en combat, mais l'Israël était moins fort que les Syriens. Ils ont pris la retraite. Donc du coup, ils sont entrés en ville et qu'ils ont fermé la ville. Et ils ne pouvaient pas, en fait, à l'époque, les Syriens ne pouvaient pas s'effondrer la porte, l'entrée. Donc du coup, les Syriens ne pouvaient pas entrer en ville. Alors, et en général, la hauteur des villes, ce n'est moins de 20 mètres. Les ennemis viennent, ils sont devant la ville. Ils commencent à accumuler les sables à côté des murailles de la ville et qu'ils ont entassé jusqu'à ce que ça devienne une colline. Et lorsque la colline dépasse la hauteur des murailles de la ville, ils sautent au-dessus des murailles qu'ils ont conquéré la ville. C'est ce qu'on faisait en général il y a longtemps, mais ici le problème c'est que les Syriens ils ont attaqué Israël. Et les peuples ils sont entrés en ville et qu'ils ont fermé la porte. Mais à l'époque ils n'avaient pas de canons, ils n'avaient pas de larmes. Il n'y avait pas de larmes explosives. Donc du coup, les Syriens ne sont pas retournés chez eux. Donc ils attendaient jusqu'à ce que le peuple israélien sorte de la ville. Maintenant, le printemps est venu. Donc ça peut peut-être varier en fonction des pays. Mais les Japonais, lorsqu'ils construisent la ville, ils construisent seulement la ville. Et pour le Coréen, quand il construit une ville, il construit la ville en mettant les champs à l'intérieur.
Et pour la Chine, ils construisent la ville autour de toute la région. Mais le problème ici, c'est que le peuple d'Israël, ils ont construit la ville, mais ils n'ont pas construit les murailles autour des champs. Donc les Syriens, ils attendaient dehors. Parce que le peuple d'Israël, ils avaient peur des Syriens et qu'ils ne pouvaient pas sortir pour cultiver les champs. Peut-être ils pouvaient attendre 2 mois ou 3 mois. Mais petit à petit, la nourriture qui était en vie à Samarie commençait à diminuer. Parce que les gens en Samarie, ils avaient faim. Et les femmes, ils ont même mangé, ils ont même cuire leurs enfants pour manger. Donc c'était vraiment misérable. Vous savez, quand on a vraiment faim, quand on est vraiment affamé, ce que nous voyons, ça change. Quelques-uns en Corée du Nord, ils ont vraiment faim. Ils ont dit qu'il y avait un poulet dehors. Alors il a arrêté le poulet, ils ont mis dans la marmite, mais après... Après, ils se sont rendus compte qu'ils ont plutôt cuire leurs enfants. Après, ils ont vu qu'il y avait un chien dans la maison. Après, il a mis ses chiens dans la marmite pour le cuire, mais après, il s'est rendu compte que c'était son papa qui l'avait cuire. Parce qu'il avait très faim, en fait, et ce qu'il voyait, ça a changé. C'était déformé. Et normalement, on dit comment est-ce qu'on peut manger nos enfants. C'est comme ça que nous pensons en général. Mais quand on est vraiment affamé, quand on a vraiment faim, tout ce que nous voyons, c'est les choses qu'on veut manger. Donc du coup, le pays avait vraiment faim. Mais en ce moment, l'homme de Dieu, Élisée, il a dit ceci. Il a crié à haute voix. Ah, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de flé de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Une mesure de fleurs de farine pour un cycle. 2 mesures d'orge pour un cycle. Donc du coup, si on a un cycle, on peut avoir 2 mesures d'orge. Mais alors qu'en ce moment-là, à l'époque, une mesure d'orge coûtait à peu près 1000 cycles. Mais quand il a dit que 2 mesures d'orge coûtera 1 cycle, c'était vraiment ridicule. Mais c'était la parole de l'Éternel. Donc Dieu, il a parlé. Mais selon moi, ça n'a pas de sens, c'était vraiment ridicule. Donc l'officier, il a dit ceci. Quand l'Éternel fera des fenêtres aux cieux, pareille chose arrivera-t-elle? Mais l'homme de Dieu, il a répondu. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Maintenant, cet officier, bien que ce soit la parole de Dieu, il pensait qu'il avait plus raison que la parole de Dieu. La plupart des fidèles, en lisant la Bible, après avoir lu, ils suivent leurs pensées. Alors que nous avons la même Bible, mais il y a plusieurs dénominations à cause de ça. Ce n'est pas que moi je connais toute la Bible. Mais des fois, on peut voir que dans quelques églises, il enseigne la Bible, mais il enseigne d'une manière fausse. La Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même enseigne. Non, c'est le même ça. Dans la parole des mères à 7 heures, on aura 1 mesure de filet de farine pour 1 cycle, 2 mesures d'ange pour 1 cycle. Ça veut dire que la nourriture, ça deviendra très moins cher. Ça veut dire que le prix de nourriture va diminuer jusqu'à 1 sur 1000. L'officier, il a dit, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Les hommes, ils ont leurs propres pensées.
Dieu nous a déclaré juste. Mais pour nous, on pense qu'on n'est pas juste. Lorsque Dieu nous a appelé juste, si on se voit, si on est juste, il n'y a pas de problème, on peut accepter. Mais moi, j'ai beaucoup de péchés. J'ai commis beaucoup de péchés. J'ai menti. Moi, je ne suis pas juste. Moi, je suis pécheur. C'est ce que les gens disent. Comme nous avons lu tout à l'heure, Romains chapitre 3, verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc verset 23 nous dit le péché que nous avons commis. Dans le verset 23, il n'y a pas de Jésus-Christ. Donc les gens, ils étaient dans l'état où les gens, ils ont commis le péché. Mais dans le verset 24, il y a l'apparition de Jésus-Christ. Pas le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Parce qu'il est mort sur la croix, pas le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose ou même parce que Jésus-Christ a travaillé. Nous n'avons rien fait par sa grâce, gratuitement, sans payer le prix. Nous n'avons rien fait. Pas la mort de Jésus-Christ. Vous avez été justifié gratuitement. Dieu nous a appelés juste. Ça, ce n'est pas la parole du pasteur Supak. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu nous a déclarés juste. Au départ, quand j'ai écouté ces paroles, j'étais vraiment étonné. C'était surprenant. Ce n'est pas que je n'ai pas commis le péché. J'ai commis le péché. Mais lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a dit, il a lavé, il a payé, il a purifié. Ça veut dire que moi, je suis payé, je suis juste, je suis lavé. Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a payé toutes les punitions du péché. Mais si on dit qu'on est pécheur, ça veut dire que Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ sur la croix, il a échoué. N'est-ce pas vrai? C'est Dieu qui nous a appelé juste. C'est Dieu qui nous a déclaré juste. Moi, j'ai commis le vol. J'ai menti. J'ai fait du mal. Je suis pécheur. Mais Dieu m'a déclaré juste. Alors ici, quel est le problème? Moi, parce que j'ai commis le péché, je pense que je suis pécheur. Mais lorsque Dieu m'a appelé juste, ma pensée, la pensée de Dieu est différente. Et en ce moment-là, est-ce qu'on doit suivre notre pensée ou bien on doit suivre la parole de Dieu? On doit abandonner notre pensée, on doit accepter la parole de Jésus et Dieu telle qu'elle est. Dans la parole de Dieu, si on dit qu'on est péché, ça veut dire qu'on ne croit pas en Dieu, mais on croit en notre pensée. C'est vrai? Donc la plupart des gens, ils mènent telle vie spirituelle. Jésus-Christ est mort sur la croix, il a payé tous les salaires du péché. Mais si on dit toujours qu'on est pécheur, ça veut dire que Jésus-Christ a échoué sur la croix. Jésus-Christ, Dieu, il a dit, demain à 7 heures, à la porte de Samarie, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle, des mesures d'orge pour un cycle. C'est ce que Dieu a dit. Et ça va se réaliser. Tu as écouté? T'as entendu? On aura une mesure de fleur de farine pour un cycle. Qu'est-ce qu'on doit faire? Combien de riz tu as? Donc, il me reste juste un demi-sac. C'est ce qu'on va faire. En fait, on va préparer du riz. Et une partie, on va le préparer, on va manger. Et le reste, on va le vendre aujourd'hui. Et l'argent qu'on va recevoir par la vente des séries, demain matin, on va acheter les autres. Si on croit cette parole,
Demain à 7 heures, on aura beaucoup de nourriture, l'abondance des nourritures. Mais déjà dans son cœur, il est en abondance. On a un sac de riz qui reste. On va manger seulement une partie du riz qui reste, et le reste, on va les vendre aujourd'hui. On va les vendre aujourd'hui entièrement. On va les vendre aujourd'hui, on va garder l'argent. Et que demain, si on achète le sac avec cet argent, on peut acheter 100 sacs. Déjà dans mon cœur, la famine a pris fin. Mais le problème, c'est que les gens ne croient pas. Mais comment? Il y a toujours les Syriens en dehors de la ville. Mais comment? On a déjà presque tout mangé. Comment est-ce qu'on peut avoir une mesure de flé de farine pour un cycle? Comment est-ce qu'on peut deux mesures d'orge pour un cycle? Ça n'a pas de sens. Les gens, ils croient à leur pensée plus que la parole de Dieu. C'est vraiment triste. Une fois, j'ai appelé les missionnaires Nanggeong aux Philippines. Je l'ai appelé, mais c'était son fils qui l'a décroché. Je lui ai dit, tu peux passer le téléphone à ton père? Mais mon père est hospitalisé. Je lui ai demandé pourquoi. Il a attrapé la dengue, la fièvre. Ah, c'est vrai? Il est hospitalisé dans quel hôpital? Il est hospitalisé dans le centre médical des Philippines. Ok. Bon, j'ai appelé le centre médical des Philippines. Donc, il y avait un correspondant. Donc, j'ai dit le centre médical des Philippines, s'il vous plaît. Donc, c'était le centre médical des Philippines qui m'a répondu. Donc, j'ai demandé si ICU. ICU, en anglais, c'est ICU, mais en français, c'est urgence. Le service d'urgence. Donc, le service d'urgence m'a répondu. Et je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez me mettre en relation avec missionnaire Nam, coréen. Et pasteur Nanggeong Hyun, qu'est-ce qui s'était passé? Une fois, il est allé dans un jungle pour prêcher l'évangile. Dès son retour, et le lendemain matin, dont toute la chair est devenue noire. Et les frères et les sœurs des Philippines, ils ont dit, « Ah, pasteur, vous avez la même couleur de peau que nous. » Mais on ne savait pas. Mais en ce moment-là, il avait déjà attrapé la dengue, ce qui fait que ça, il avait l'air très noir. En fait, la dengue, c'est une maladie tropicale, et que si on attrape la maladie, la plupart des gens, ils meurent, c'est vraiment mortel. Si on l'attrape, on a la fièvre, donc il n'était pas du tout rétabli. Le docteur, il a dit en dialecte des Philippines, il a dit, ce coréen-là, il va mourir cet après-midi. Le missionnaire, il écoutait ce qu'il disait, mais il ne pouvait pas parler. Alors quand j'ai demandé de me passer le téléphone, au missionnaire Nanggeong Hyun, c'était sa femme qui a décroché. Je dis, allô au téléphone. Et l'épouse du pasteur, quand elle a écouté ma voix, elle a commencé à pleurer. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Elle commençait à pleurer. Qu'est-ce que je dois faire, pasteur? Déjà dans son cœur, son mari était déjà mort. Voilà pourquoi elle a pleuré. Et son mari ne pouvait rien parler. Et moi, j'ai dit à la femme du pasteur, ne pleure pas. Mais elle n'a pas cessé de pleurer. Et en écoutant ma voix, il n'a pas cessé de pleurer. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Et je lui ai dit, ne pleure pas. Tu veux vraiment que ton mari meure? Arrête-toi de pleurer et écoutez-moi. Qui est-ce qui a envoyé le missionnaire Nanggeong Hyun aux Philippines? Est-ce que c'est la mission de la Bonne Nouvelle qui l'a envoyé, c'est Pasteur Supak?
C'est pas eux, mais c'est Dieu qui l'a envoyé aux Philippines. Il l'a envoyé pour faire quoi aux Philippines? Il l'a envoyé pour prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a fini de prêcher l'évangile? Non, pas encore. Il a encore beaucoup de choses à faire aux Philippines. Il ne va pas mourir. Dieu va le protéger. Donc j'ai dit ça en ayant la confiance en Dieu. Et la femme du pasteur, elle a dit, « Ah bon ?» Et je lui ai dit, « Pourquoi tu dis « Ah bon ?» ?» Supposons que toi, tu es Dieu. Ton serviteur, il est en train de prêcher l'évangile. Est-ce que tu vas tuer ton serviteur? Non. Franchement, les gens, ils créent beaucoup de pensées. Et ces pensées dans les pensées. Ces pensées travaillent dans les pensées. Donc les gens attachent la pensée avec l'espoir, avec le désespoir. Alors si on attache nos pensées avec l'espoir, ça va changer en espoir. Donc de nos yeux, il paraît que le missionnaire Nanguyong, il était à demi-mort. C'est ce que disait le docteur. Donc il paraît qu'il était en train de mourir. Mais j'ai abandonné le point de vue de l'homme, mais j'ai regardé ce missionnaire avec le point de vue de Dieu. On a besoin des serviteurs qui prêchent l'évangile aux Philippines. C'est Dieu qui l'a envoyé aux Philippines. On n'a pas encore fini de prêcher l'évangile aux Philippines. Non, il ne va pas mourir, il va vivre. Dieu, il ne va jamais le laisser mourir. Alors j'ai dit à sa femme, et après que je lui ai dit, même l'épouse du pasteur, elle s'est dit, bah, mon mari, il ne va pas mourir. Bah, Dieu va sauver mon mari. Elle a eu la foi. Après, on a raccroché. Elle est allée voir son mari. Mon chéri, je viens de recevoir un coup de fil du pasteur Park de la Corée. Il ne pouvait pas parler en fait en ce moment-là. Mais ce qui est vraiment reconnaissant à Dieu, on dit que lorsque les gens meurent, le dernier organe du corps qui reste vivant, c'est l'oreille. Pasteur Paradis a commencé à expliquer à son mari, lorsque Dieu t'a envoyé aux Philippines, mon chéri, c'est pour prêcher l'évangile. Et il a dit qu'il n'a pas encore fini de prêcher l'évangile. Tu dois vivre. Il va te sauver, il va te rétablir. C'est ce que dit Pasteur Orso Park, c'est Dieu. Et Pasteur Nanguyong, en pleurant, il a écouté ses paroles. Ah, Dieu m'a aimé. C'est Dieu qui a fait Pasteur Orso Park de m'appeler. C'était la pensée qu'il a eue. Bah, ça veut dire que je vais vivre. De ces moments-là, il était toujours dans le même état, mais la fièvre commençait à baisser. La fièvre commençait à baisser de plus en plus. Le docteur était choqué. Quelque temps après, il commençait à parler. Il a commencé à manger aussi. Et après, le lendemain, il est sorti de l'hôpital. Il est devenu normal. Lorsque Dieu travaille, c'est vraiment merveilleux. Écoutez-moi, aujourd'hui, si on voit Actes chapitre 22, 13 verset 22, il a dit que j'ai destitué Saül. Donc parce que Saül a suivi sa pensée, bah, j'ai destitué Saül. Je vais établir une nouvelle personne, David. J'ai trouvé David, fils d'Isaï. Homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Quand j'ai rencontré le président du Paraguay, M. Fernando Lugo, quand je l'ai rencontré, je lui parlais de cette Bible, cette parole, Votre Excellence.
Votre Excellence, si vous avez le même que Dieu, David, il était berger, apparemment, il était une personne inutile. Mais le problème, c'est que si on est en mauvais état, c'est Dieu qui doit donner la bonne santé. Si on n'a pas la sagesse, c'est Dieu qui peut nous donner la sagesse. Si on n'a pas la force, c'est Dieu qui peut nous donner la force. Si on peut unir notre cœur avec le cœur de Dieu, Dieu va nous tenir, il va nous donner la sagesse, il va nous donner le bon cœur, il va nous donner la santé, il va nous donner la paix, il va nous donner la capacité et la puissance. Votre Excellence, unir votre cœur avec le cœur de Dieu, comme David. Et en ce moment-là, grâce à vous, Monsieur le Président, Paraguay va être béni. Et après cela, la deuxième chose que je lui ai dit, Votre Excellence, je vais vous expliquer comment on peut unir notre cœur avec le cœur de Dieu. Ce qui est le plus important, c'est de unir votre cœur avec le cœur de Dieu. Il y a la première chose qu'on doit faire. Votre Excellence, vous êtes président, mais je pense que vous avez commis le péché. Mais parce que Dieu ne peut pas s'entendre avec le pécheur. Il voulait laver le péché. Peut-être vous avez commis le péché et vous pourrez penser que vous êtes pécheur. Mais Dieu nous a envoyé Jésus-Christ pour laver le péché. Par la mort de Jésus-Christ sur la croix, il a lavé tous vos péchés. Les gens, Jésus-Christ est mort sur la croix pour laver nos péchés. Mais il y a beaucoup de gens, ils disent qu'ils sont péchés parce qu'ils ont commis le péché. Mais si nous lisons la Bible, ce n'est pas vrai. Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, ce qui est le plus important, disons qu'il y a un procuré qui va demander la peine au juge. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit pour protéger la société, moi je vous demande de lui donner la plus grande peine. Selon la loi. Donc la plus grande peine qu'on peut donner dans le tribunal, c'est la peine des morts. Si cette personne tue une personne, c'est toujours la peine des morts. Même s'il tue deux personnes, c'est la peine des morts. Même s'il tue 1000 personnes, il va toujours donner la peine des morts. Parce que la peine des morts est la peine la plus grande du tribunal. S'il a tué une personne, on le tue une fois. S'il a tué deux fois, deux personnes, en fait, on le tue une fois et qu'on le ressuscite, on le tue des une fois, non, c'est pas possible. Même s'il a tué 1000 personnes ou 10 000 personnes, on va toujours donner la peine des morts une fois. Parce que la plus grande peine qu'on peut donner dans le tribunal, c'est la peine des morts. Il n'y a aucune peine qui dépasse la peine des morts. Jésus-Christ est mort pour une personne. C'est fini par la peine des morts. Même s'il est mort pour 2 personnes, 10 personnes, c'est fini par la peine des morts. Lorsque Jésus-Christ est mort pour les péchés de tout le monde, puisque la plus grande peine qu'on peut donner, demander, c'est la peine des morts. Il n'y a rien, il n'y a aucune peine qui dépasse la peine des morts. Parce qu'on ne peut pas tuer 2 personnes, la personne 2 fois. Alors Jésus-Christ a ôté tous nos péchés. Il a ôté les péchés de tout le monde. Tous les péchés, c'est-à-dire le péché dont on se souvient, le péché dont on ne se souvient pas. Tous les péchés que vous avez commis,
le petit péché, le grand péché, le meurtre, l'adultère, tous les péchés, il les a ôtés et que ça peut être puni par la peine des morts. Jésus-Christ est mort sur la croix. Jésus-Christ n'est pas mort parce qu'il avait commis le péché. Il n'avait pas du tout le péché. Mais pourquoi est-ce qu'il est mort? Il est mort à cause de nos péchés. Lorsque Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il n'avait pas vécu jusqu'à telle date. Mais jusqu'à telle date, je vais laver le péché. Après, c'est vous qui avez lavé le péché. Donc, ce n'était pas le cas. Mais il a fait une rédemption éternelle. Moi, je vais voir le verset. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Est-ce que vous avez trouvé Hébreux chapitre 10? Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Par la mort de Jésus-Christ sur la croix pour nos péchés, la Bible dit que nous sommes sanctifiés. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus-Christ est mort, il est mort pour nos péchés. Je vous pose une question. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que nous sommes péchés ou bien nous sommes sanctifiés? La Bible dit que nous sommes sanctifiés. Nous sommes lavés. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, la plus grande peine qu'on peut donner dans le tribunal, c'est la mort. Même si les gens ils ont tué une personne, il est toujours la peine des morts. Même s'il a tué 1000 personnes, il va toujours être condamné à la peine des morts. Parce que dans la peine des morts, ça comprend tous nos péchés. Voilà pourquoi nos péchés sont lavés. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que nous sommes sanctifiés. On doit croire à cette parole. C'est la parole de Dieu. Et quelle raison est-ce qu'on peut y ajouter? Quelle parole est-ce qu'on peut y ajouter encore plus? Vous êtes sanctifié, vous êtes saint. Ce n'est pas la parole du pasteur sur Pâques, ni la parole de Pierre, mais c'est la parole de Dieu. Amen. 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 C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Les sacrificateurs, ils offraient les sacrifices, ils ont tué la chèvre. Mais les sacrifices que les sacrificateurs donnaient, ça pouvait laver le péché temporairement, mais ça ne pouvait pas laver le péché éternellement. Comme les sacrificateurs donnaient les offrandes, les sacrifices dans l'Ancien Testament sur la terre, mais Jésus-Christ n'a pas donné l'offrande sur la terre. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est limité par le temps, alors que le ciel, c'est le monde éternel. Nous avons la montre dans ces mondes, mais dans le ciel, on n'a pas besoin de la montre. Parce que le temps ne passe pas là-bas. C'est éternel, c'est un monde éternel. On ne peut pas aller aussi avec ses corps. Parce que notre corps, c'est vieilli. On a besoin d'un nouveau corps, même si nous passons 1000 ans, 10 000 ans, le corps ne meurt pas. Ou nous allons porter un nouveau corps. Jésus-Christ, il verse le sang sur la croix dans ce monde. Jésus-Christ, il a lavé le péché pour tout le monde. Il a reçu le pardon des péchés, mais si le temps passe, parce que le sacrifice qu'on avait donné, ça devient le passé. Mais s'il pêche encore, l'offrande qu'on avait donnée, ça ne peut pas laver le péché qu'il a commis maintenant. On est obligé de donner l'offrande.
l'offrande encore et encore et encore. Voilà pourquoi en Ancien Testament, à chaque fois qu'on commettait le péché, on devait égorger la chèvre et donner le sang. Si Jésus-Christ avait versé le sang dans ce monde, s'il avait mis le sang sur les comptes de l'autel qui existait dans ce monde, à chaque fois qu'on commettait le péché, on aurait dû mettre le sang et tuer la chèvre Jésus-Christ. Voilà pourquoi le sang que Jésus-Christ avait versé, il est entré dans le tabernacle qui est au ciel et qu'il a mis du sang sur les comptes de l'autel. Parce qu'il a mis le sang sur les comptes de l'autel au ciel, c'est éternel. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons voir le chapitre précédent. Hébreux chapitre 9, verset 11. Qu'est-ce qu'il est écrit? Donc ici, on dit que le Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Donc le tabernacle, dans l'Ancien Testament, on a dit le tabernacle. Pourquoi est-ce qu'on a dit le tabernacle? Dans le Nouveau Testament, on a construit le temple. Mais dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas construire un bâtiment permanent, c'est pour ça qu'on a plutôt construit en tente. Donc le tabernacle, ce n'est pas le temple, mais c'est la tente. Mais Jésus-Christ, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Ici, le tabernacle plus grand et plus parfait, ça veut dire le temple au ciel. Ici, le tabernacle plus grand et le plus parfait, il s'agit du temple qui est au ciel, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Le tabernacle plus parfait et plus grand. Ici, c'est le tabernacle. Donc c'est écrit dans le tabernacle, n'est-ce pas? Cependant, ici, le tabernacle plus grand et plus parfait, il s'agit des temples au ciel. Jésus-Christ n'avait pas versé le sang dans le tabernacle qui était dans ce monde. Sur la terre, le tabernacle qui n'est pas fait construit des mains d'hommes, qui n'est pas de cette création, le tabernacle qui est plus grand et plus parfait, il est entré dans le temple qui est au ciel. Nous allons voir verset 12. Non, avec le sang des boucs et des veaux. Dans l'Ancien Testament, quand on a égorgé la chèvre et les veaux, c'était pour l'expiation du péché. Ici, le sang des boucs et les veaux, ça représente l'ombre de Jésus-Christ. Jean-Baptiste, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc dans ces mondes, on faisait souvent avec le sang des boucs et des veaux. Mais ici, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Ici, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et à travers ces œuvres que Jésus-Christ a fait, le chapitre suivant, nous allons lire au chapitre 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ensuite, verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Parce que l'offrande que Jésus-Christ avait donnée, c'était l'offrande éternelle.
Cette offrande a lavé le péché pour toujours. Il n'y a rien qui est plus parfait que ça. Donc la Bible nous explique ça très précisément. Voilà pourquoi toutes les punitions de nos péchés ont pris fin éternellement sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu nous a dit que nous sommes justes. Il nous a dit que nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés. C'est pas parce qu'on n'a pas commis le péché. Mais Jésus-Christ a lavé nos péchés éternellement. Parce que beaucoup de gens ils lisent la Bible avec leurs pensées, avec leurs stéréotypes. Ça crée des problèmes, mais croyez à la Bible. En ces moments-là, quoi que les gens disent, si c'est Dieu qui nous a justifiés, nous sommes justifiés. Si c'est Dieu qui nous a sanctifiés, nous sommes sanctifiés. Je vais voir si on est sanctifié. Si c'est Dieu qui nous a justifiés, nous sommes justifiés. Dieu il a dit qu'il ne se souviendrait plus de nos péchés. Alors abandonnez toutes vos pensées, entrez dans la parole, ayez la foi en Dieu. Si c'est Dieu qui nous a appelés justes, je suis juste. Si c'est Dieu qui m'a sanctifié, je suis sanctifié. Crois en cela, ça veut dire croire en Jésus-Christ. J'espère que cette bénédiction sera accordée à vous. Merci. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Seigneur, lorsque Jésus-Christ a lavé nos péchés, il nous a lavé nos péchés parfaitement. Et Satan nous a trompés comme s'il y a toujours les manquements et qu'on doit faire quelque chose. Mais nous croyons à la parole de Dieu. Tu nous as rendus parfaits. Tu nous as rendus sanctifiés. Permets-nous de croire au sang de Jésus-Christ. Merci pour ta mort et ton sang. Nous louons le Seigneur. Si la parole nous a dit que nous sommes justes, nous sommes justes. Merci Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.